Voilà, là je suis en train de préparer la nougatine pour les roses, hein, puisque comme je vous ai expliqué hein, dans la présentation de notre petit projet, hein, c'était de faire une nougatine essentiellement avec que de la nougatine même en décor, et pas de sucre tiré, voilà. C'était vraiment basé que sur la nougatine. Donc là, nougatine rose, pour pouvoir faire des fleurs en nougatine. Donc là, j'ai cuit mon sucre à 185, hein, comme d'habitude, hein, toujours la même recette. Donc 300 de sirop de glucose, 400 de sucre semoule et 180 donc de sésame là. Donc pour le coup un sésame donc on va dire rose rouge hein, avec un peu de poudre aussi argenté rouge. On va ajouter une petite pointe de colorant. Toujours pareil dans notre nougatine. Alors pas trop hein, juste pour la rendre un tout petit peu rouge. Et on attend donc qu'elle monte à 185. Voilà. Et là, on va ajouter donc nos fruits secs, notre sésame. Toujours hein, le même principe en touillant. Alors là, pareil, hein, toujours faites attention à la cuisson. Pas monter trop en température, hein, parce que le rouge va vite virer au marron foncé, hein, donc ça serait dommage. Alors, je vais réchauffer un tout petit peu. Pour réchauffer notre nougatine. Et ensuite, donc, même principe que d'habitude, on coule sur la feuille, on rassemble et on met donc sous la lampe à sucre. Voilà, dès que la nougatine est devenue un petit peu plus fluide, qu'elle se décolle. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais attention, hein, même quand on fait une nougatine couleur, de toujours monter au moins à 185 pour avoir hein, ce petit goût de caramel. Ça, c'est super important. Hein, faut pas oublier que la nougatine, à la base, c'est quand même du caramel. Voilà, là, elle est parfaite. Je vais pouvoir couler donc sur ma feuille. Voilà. Belle nougatine rouge. Voilà, comme d'habitude. On attend qu'elle refroidisse avant de la travailler. Et ensuite, on la maintient sous la lampe à sucre. Vous avez vu, hein, je fais jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup moins de kilomètres que si on mettait la nougatine au four. Donc voilà, ça c'est un petit confort de travail hein, qui est assez sympa. Et ce qui permet aussi, chose importante, souvent, hein, ça arrive à tout le monde quand on met la nougatine au four, hein, qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment? Elle prend de la couleur. Là, sous la lampe à sucre, pas de risque que votre nougatine prenne de la couleur. Est toujours malléable et à bonne température. Donc ça, voilà, c'est une souplesse, hein, comme je vous disais, une souplesse dans le travail qui est quand même pas négligeable parce qu'on a tous fait des pièces montées en entreprise. Enfin, c'est toujours un petit peu, voilà, on court, on court, on court. Et le fait d'avoir la nougatine sous votre lampe à sucre, bah, au moins, vous n'avez pas à vous occuper de la nougatine au four, à savoir si elle va prendre de la couleur. Donc ça, c'est important aussi, hein, pour la souplesse du travail. Voilà. On va pouvoir donc la mettre sous la lampe et puis on va pouvoir appliquer voilà, notre rose en nougatine. Alors moi l'idée hein, de départ hein, quand j'ai commencé à travailler la nougatine, c'était vraiment d'essayer de prendre des techniques qu'on utilisait au sucre hein, pour pouvoir faire de la nougatine. Faut pas oublier la nougatine hein, comme l'art du sucre tiré, hein, ça reste de la confiserie aussi à la base. Alors donc de travailler un petit peu notre nougatine comme des bonbons. Voilà. Voilà. Là, elle est bien, nickel. Un joli rouge. Donc on va pouvoir la mettre sous la lampe à sucre et commencer la fabrication de nos roses.
Donc là, on va attaquer nos rangées de pétales. Donc pour la première, pour les premiers petits pétales, donc on va utiliser un emporte-pièce de 4 cm de diamètre et on va donc les poser dans les demi-sphères de 6 cm de diamètre. Voilà. Bon, vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de problème. Super Franck est là. Il va vous marquer. Donc ici, vous avez toutes les tailles qu'il vous faut. Voilà. C'est pour la première rangée de pétales. Pour la seconde rangée de pétales, pareil, on ne change pas. Alors on va utiliser donc un emporte-pièce de 5 cm de diamètre qu'on va venir poser donc dans les demi-sphères de 7 cm de diamètre. Voilà. Donc c'est pareil, pas eu le temps de noter. Donc Franck vous remarque ici, voilà toutes les tailles qu'il vous faut pour vos rangées de pétales. Je ne vous ai pas précisé non plus, pour la première rangée de pétales, il vous faudra 6 petits pétales et pour la deuxième rangée, il vous faudra 8 pétales. Voilà. Pour faire une petite rose, d'accord, pas trop imposante. Voilà. Donc là, on va attaquer notre première rangée de pétales, donc pour les petits pétales. Donc on va prélever un petit morceau de nougatine. Alors vous prévoyez tout votre matériel. Hop, on va prendre le petit marteau aussi pour bien découper notre nougatine. Et puis là, donc... bien appuyer sur le rouleau pour avoir une nougatine bien fine. Et ensuite donc on vient découper les premiers. Donc il nous en faut 6. Décolle bien. Hop. Et puis là, on réchauffe un tout petit peu et on vient donc les positionner, voilà, dans les petites demi-sphères en leur faisant épouser bien la forme de l'hémisphère. Voilà, quand ils sont bien chauds, vous voyez, hein, ça va vite. On peut les enlever direct derrière, hein, ils sont formés. Donc là, on a notre première rangée donc de pétales. On va passer à la deuxième. Et là, donc, on prend donc l'autre emporte-pièce. Et là, on doit en avoir 8. Voilà. On peut les former directement. Vous voyez, c'est pas très très long. J'étale la dernière partie. Voilà. On forme tout de suite. La nougatine, vous pouvez la remettre tout de suite sous la lampe, comme ça elle refond et vous pouvez la réutiliser tout de suite derrière. Donc voilà, notre première rangée de pétales.
Ensuite, il va falloir donc qu'on forme aussi le cœur de notre rose. Donc pour ça, on va utiliser des petits moules, des petites demi-sphères. Alors, le jour où dans les magasins vous trouvez des demi-sphères comme ça, achetez-les tout de suite, hein, parce que c'est super rare d'en trouver de aussi petites. Bon, elles font 4 cm de diamètre. Hein, donc ça, vous n'hésitez pas, le jour où vous en trouvez, achetez-les tout de suite. Donc on va mouler notre nougatine à l'intérieur pour pouvoir former le cœur d'une rose. Alors, on va partir de ce cœur. Il ne vous faut pas beaucoup de nougatine, vous voyez, hein, j'en prends pas beaucoup. On va venir tout de suite. On va la mettre à l'intérieur. Et après, on va découper avec le ciseau. Pour avoir une petite demi-sphère. Donc là, un demi-sphère simple, hein, c'est pas la peine de repasser au four comme on a fait tout à l'heure. Là, on la veut vraiment très très simple. Donc on en fait une deuxième pour avoir une jolie sphère. Et on laisse refroidir. Donc voilà, là on a tous nos éléments pour pouvoir monter notre rose. Donc on a les 6 premiers pétales donc, hein, pour la première rangée et les 7 pétales pour la seconde rangée, plus donc le cœur de notre rose. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que le montage à réaliser. Donc là on va passer au montage de notre rose. Donc on a tous nos éléments, le sucre du collage est cuit. Donc là on va commencer par assembler nos deux hémisphères, hein, pour former le cœur. Voilà, on trempe dans le caramel. On fait attention de ne pas se brûler. Voilà. Et ensuite, donc, on va commencer à coller la première rangée, hein, de nos pétales. Voilà. Il faut vous servir de la ligne de collage pour situer votre pétale. Donc en fait, la ligne de collage doit se trouver au milieu de votre pétale. Comme ça, c'est la première rangée de pétales arrive bien à hauteur de notre sphère. Donc voilà, on trempe dans le sucre, le bas du pétale. Et voilà, on positionne la première. Et on vient bien... Alors on l'écarte un tout petit peu du cœur. Et voilà, on essaye de l'écarter de ce côté pour pouvoir laisser de la place pour glisser le dernier pétale. Ça, c'est important. Et ensuite, donc, je continue à coller en quinconce. Hop. Vous voyez, bien garder toujours ce mouvement, clac-clac, comme ça, hein, pour avoir un joli dessin, hein, sur notre rangée de pétales. Là, vous voyez, hein, c'est important de retrouver, voilà, ce mouvement, hein, dans notre rangée. Et le dernier pétale. Donc voilà, on le glisse, voilà, dans l'écart qu'on avait laissé au départ. Et là, du coup, on a une belle rangée de pétales. Voilà, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, de faire une rose en nougatine, et ça va quand même relativement vite. Ensuite, donc, on va attaquer notre deuxième rangée de pétales, donc avec les plus gros. Même système, on va les coller en dessous de la première rangée, on va venir les coller ici, pour que les pétales soient à la même hauteur que la première rangée, pour éviter de faire un petit chou-fleur.
Pareil, on va le coller, on va laisser une petite ouverture pour pouvoir enclencher le dernier de nos pétales. Ah. Résistance. Il veut pas coller. Voilà. Donc on colle avec un caramel, hein, caramel très clair. Faites toujours attention un petit peu à l'écartement des pétales. Voilà, pour faire le point, donc on arrive bientôt à la fin. Voilà, là je me suis fait un petit peu avoir, vous voyez le premier pétale c'est un petit peu resserré quand je maintenais dans la main. Donc petite astuce, on réchauffe un petit peu avec notre chalumeau pour pouvoir l'ouvrir légèrement. Voilà, pour venir glisser à notre dernier pétale. On peut chauffer aussi un petit peu un nougatine là, pour la rendre un petit peu plus souple, pour bien venir l'emboîter dedans. Voilà. Et voilà, on a une petite rose, sympa, vite fait, et voilà avec de la nougatine. Ça, pareil, hein, un décor qu'on peut manger quand on a la pièce montée. Hein, les clients peuvent bien manger la rose parce que voilà, elle est toute en nougatine. Regardez l'arrière pour le rangement des pétales, pas trop de sucre, voilà, juste pour coller nos pétales. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa parce que ça évite de mettre en production hein, du sucre. Bon, puis on peut l'utiliser avec le reste de nougatine, hein. Ça peut être de la nougatine amande, nougatine normale. Hein. Donc voilà, on peut faire une rose aussi en couleur caramel, hein. Ça a son petit effet. Voilà, une petite rose simple et vite faite.